Bien, bonjour à toutes et à tous. Avec mon collègue Ugo Bernalicis, nous vous souhaitons la bienvenue au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Nous voudrions vous remercier d'avoir accepté notre invitation à participer à cette table ronde qui est la première de la mission, consacrée au thème suivant: l'efficacité de la lutte contre la délinquance financière menée par l'État, diversité des acteurs, moyens déployés et portée des sanctions. Donc, nous avons été désignés par le comité pour mener cette mission, mission qui a été initiée par le groupe France Insoumise, que je remercie à cette occasion. Nous avons souhaité commencer nos travaux en entendant les principales organisations non gouvernementales qui ont travaillé sur le sujet à un stade très amont de notre réflexion, de façon à dresser un bilan de l'action menée et de nous aider à préciser notre feuille de route, de cibler en fait la mission sur ce qui est utile, dans un contexte où la législation évolue rapidement et contexte aussi où les techniques auxquelles recourent les délinquants changent régulièrement. Ce qui nous intéresse au titre de cette introduction, c'est notamment de savoir où doivent porter en priorité les efforts de la puissance publique, bien sûr, quelle appréciation on peut porter sur les moyens affectés aujourd'hui pour détecter et sanctionner les comportements délictueux ou préjudiciables aux finances publiques et au-delà au pacte social. Et d'une façon générale, si nous pouvions, à l'issue de cette réunion, avoir une vision claire sur le message que chacun d'entre vous souhaite porter auprès de nous sur ce sur quoi il faut vraiment s'impliquer, je crois que c'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc, on accueille aujourd'hui Anticor, représenté par son vice-président, M. Éric Alt, accompagné de la juriste Mme Zehia, Beverly. Nous accueillons aussi M. Dominique Plihon, porte-parole d'Attaque. Oxfam France, représentée par Mme Aubry, responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité, dites-moi si je me trompe. Et enfin, Transparency International, représentée par Mme Elsa Foucraut, responsable du plaidoyer vie publique. Donc, ce que je propose, c'est peut-être dans l'ordre de la table, c'est le plus simple, si tu penses que c'est une bonne idée, nous puissions vous donner à chacun 5 minutes environ, à titre d'introduction, pour présenter l'appréciation que vous portez sur la lutte contre la délinquance financière menée par les autorités françaises, après quoi nous passons aux questions, et nous devons avoir fini en 1h30, à partir de 14h, c'est bien ça? Voilà. Je t'en prie. Juste dire quelques mots en guise d'introduction. Vous remerciez également d'être présents. Nous, ça nous tenait à cœur, comme vous l'avez compris, c'est le groupe de la France Insoumise qui a proposé cette thématique de la lutte contre la délinquance financière sous l'angle des moyens, puisqu'on est ici dans le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Hein, il y a déjà eu des missions d'information sur la fraude fiscale en tant que telle, sur divers sujets, des rapports parlementaires des frères Bocquet, par exemple. Et donc l'idée, c'est pas de refaire ce qu'ils ont déjà fait, mais c'est bien d'aller chercher peut-être dans d'autres directions, et notamment cette thématique des moyens. Et au final, est-ce que dans certains domaines, c'est pas juste un problème des moyens qu'on met en œuvre et qu'il n'y a pas de problème juridique en soi pour mener la lutte, ou est-ce que vous y voyez des problèmes juridiques? Enfin voilà, l'idée étant d'avoir une discussion assez ouverte, c'est pour ça qu'on a proposé un temps de départ limité et qu'on puisse échanger à l'issue de cette audition et de quelques autres qui suivront. L'objectif pour nous, c'est de mieux circonscrire notre évaluation, puisque si on part dans la direction qui a été indiquée au départ, ça peut nous amener très très loin et on n'a pas des moyens illimités pour mener cette évaluation. Donc c'est peut-être un problème de moyens, même si ça va, on a 6 mois devant nous, donc on n'est pas non plus trop pris par le temps, mais on veut en tout cas faire au mieux et pas se perdre dans toutes les directions et bien pouvoir cibler ce qui est, aller à l'essentiel et cibler ce qui nous semble utile. Et donc on avait besoin pour ça de vos regards de spécialistes dans vos domaines respectifs. Et on vous passe la parole tout de suite. Merci. Et utilisez bien les micros, parce que comme on filme, sinon on ne vous entendra pas. Merci. Invitation. Je vous ai envoyé préalablement une note, ce qui me permet d'être bref dans l'intervention. Globalement, je dirais que les moyens sont très insuffisants, et ce ne sont pas simplement les moyens matériels et humains qui sont insuffisants. Donc nous avons besoin de règles plus effectives. Alors je parle notamment des règles plus effectives qui seraient souhaitables de mettre en place contre le lobbyisme. On est actuellement à la base, la loi Sapin 2 fixe une base, mais il n'y a rien sur la traçabilité et il n'y a rien sur l'expertise. Et vous avez peut-être vu Le Monde avant-hier, on sait bien que l'expertise n'est pas indépendante lorsqu'elle est financée par les grands groupes, que ce qui ressort de cette expertise est très différent. Donc on a un vrai sujet sur l'expertise. On a un vrai sujet sur le passage du public au privé, jusqu'à présent, et du privé au public. Jusqu'à présent, on avait la commission déontologique de la fonction publique pour réguler les passages du public au privé. Maintenant, on est dans une politique de tourniquet. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose, mais dans une politique de tourniquet. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on encadre le retour du privé vers le public. On a baissé la garde sur le contrôle des marchés publics. Je trouve, dans la note, vous trouverez des développements, mais ça nous a beaucoup étonné de voir combien, depuis une dizaine d'années, la réflexion sur le contrôle des marchés publics est une réflexion en jachère. Ensuite, s'agissant de la délinquance financière au sens large, en lien avec la vie politique, la question se pose du contrôle des comptes de campagne, la question se pose du contrôle du patrimoine des élus. Nous sommes dans une situation très hypocrite où tout ceci est donné dans les préfectures, mais personne ne peut en faire état. Nous pensons que l'important n'est pas de savoir, même de façon discrète, si un élu est riche ou pauvre. L'important est de savoir s'il s'est enrichi. Et donc, on n'a pas forcément besoin de ce qui est en préfecture aujourd'hui, mais on a sans doute besoin de techniques différentes qui permettraient à la Haute Autorité de mesurer et de publier l'enrichissement personnel pendant la durée d'un mandat ou pendant la durée d'une fonction, puisque ça ne concerne pas seulement les élus. Nous avons la question de la délinquance économique qui porte atteinte aux biens communs. Donc, nous avançons l'idée que la réutilisation de certains biens confisqués pourrait être faite au bénéfice de collectivités ou d'associations agréées. C'est quelque chose qui a d'ailleurs été proposé lors de la précédente législature, qui n'a pas été retenu parce que le Conseil constitutionnel avait considéré qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire. Nous insistons aussi sur le fait que le Conseil constitutionnel, qui doit bien évidemment faire la balance entre les intérêts constitutionnels, le fait assez souvent pour défendre, disons, en faveur des intérêts privés, pas toujours, assez souvent. Et c'est la raison pour laquelle nous reprenons la proposition de 50 juristes qui a été publiée dans Le Monde, qui est d'inscrire dans la Constitution la notion de bien commun. Ensuite, culture de la transparence. Alors, nous regrettons tous ici la loi secret des affaires. C'est sûr qu'on n'entre pas dans une culture de la transparence en jetant un voile d'opacité sur une partie de la vie économique. Ceci a été fait d'ailleurs au mépris des journalistes et des associations de la société civile. Je ne reprends pas le débat, mais la culture de la transparence, elle peut quand même encore être poursuivie par une publication beaucoup plus large, en données ouvertes, de ce qui est détenu par les autorités publiques et de ce qui doit être divulgué par les entreprises, car notamment s'agissant des industries extractives, il y a un certain nombre d'obligations de publication à la charge des entreprises. J'insiste sur la certitude de la peine. Alors là, on est vraiment au cœur de la question sur l'efficacité. On ne parle pas, parce que c'est un sujet qui est un peu froid aujourd'hui, mais on ne parle pas ou très peu des modalités de déclassification du secret défense. Et nous considérons qu'il n'est pas normal que la déclassification dépende de la seule conscience d'un ministre. Transparency avait fait une étude il y a 4 ou 5 ans là-dessus. Nous adhérons à cette étude. Développons peut-être. En gros, on a soit à une autorité à donner la déclassification à une autorité indépendante ou la donner à un certain nombre, un petit nombre de hauts magistrats. Mais pas en faire quelque chose de politique. On a vu ce que ça a donné dans l'affaire des frégates de Taïwan. La question se pose aussi de la prescription des infractions dissimulées. Le choix qui a été fait par le législateur en 2017 nous semble poser beaucoup de problèmes en ce qu'il institue un délit butoir pour les infractions dissimulées ou occultes. Ce délit butoir est de 12 ans. Il est assez bref pour ce qui est des infractions financières. Donc, considérons que si jamais vous vouliez maintenir le délai butoir et ne pas revenir à la jurisprudence de la Cour de cassation, où, en quelque sorte, seule la durée raisonnable était envisagée, considérons que ce délai butoir devrait être à 20 ans et certainement pas à 12. Ensuite, la Convention judiciaire d'intérêt public, nous sommes critiques. Là, nous ne sommes pas unanimes autour de la table, mais j'insiste non pas sur le fait que nous sommes critiques, j'insiste sur le fait que nous importons ceci d'un système étranger, essentiellement du système des États-Unis, et que si nous importons quelque chose du système des États-Uniens, eh bien, il y a pas mal d'autres choses qu'on pourrait importer si on voulait maintenir l'efficacité ou renforcer l'efficacité en important culturellement et juridiquement ces règles-là. Et vous avez dans ma note un certain nombre de choses qu'on pourrait importer en plus de la Convention judiciaire d'intérêt public, puisque la Convention judiciaire d'intérêt public nous semble autant favoriser les entreprises que l'efficacité de la lutte contre la délinquance financière. Ensuite, nous plaidons aussi pour des institutions plus efficaces. Il y a aujourd'hui une grande segmentation des autorités en charge de la lutte pour la probité, contre la corruption, pour la transparence. Et nous pensons qu'à l'image de ce qui se fait pour le défenseur des droits, la lutte pour la probité ou contre la corruption devrait être incarnée, regroupée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de service spécialisé, qu'il n'y aurait pas de collège spécialisé, mais qu'il n'y aurait plus cette segmentation qu'on connaît aujourd'hui avec des autorités qui ont acquis une légitimité, une crédibilité. Je pense à la Haute Autorité de transparence de la vie publique, d'autres qui ont perdu une partie au moins de leur crédibilité. Je pense à la Commission des comptes de campagne. Nous pensons qu'il faut, pour être efficace, refonder le ministère public. Alors, c'est pas uniquement... nous sommes tout à fait d'accord pour dire le parquet financier, c'est quelque chose de très bien. Ils ne sont pas très, très nombreux. Ils sont 18, je rappelle, et il manque des officiers de police judiciaire en nombre suffisant. Mais la question n'est pas uniquement une question de moyens. Ça, la question de moyens, elle peut être résolue assez rapidement. On double le nombre de magistrats au parquet financier. On double le nombre... Ce sont des très petits chiffres à l'échelle de ce qui est de la magistrature. On double le nombre des officiers de police judiciaire spécialisés. Ça ne bouleverse pas les moyens. En revanche, ce sur quoi nous insistons, c'est sur la fragilité des conditions de nomination du procureur financier, puisque le procureur financier est nommé comme les autres procureurs. Et on a vu comment a été nommé le procureur de Paris récemment. C'est certainement une excellente sélection. Moi, je connais d'ailleurs celui qui a été nommé, qui est tout à fait sympathique et d'une grande courtoisie et d'une grande compétence, mais pèsera toujours sur lui le soupçon. Et je pense que le procureur financier sera nommé dans les mêmes conditions. Et ce qui ne semble pas très satisfaisant, pas satisfaisant du tout, c'est ce soupçon. Alors, dont ils peuvent évidemment se délivrer si les conditions politiques, si les affaires sont propres à permettre de sortir de ce soupçon. Mais souvent, ce soupçon reste sur ceux qui sont nommés au parquet, et je pense là au parquet financier ou au parquet important de province, au GIRS notamment, juridiction interrégionale spécialisée. Naturellement, nous approuvons la suppression de la Cour de justice de la République. Nous l'attendons... Attendons cette réforme constitutionnelle avec impatience, car elle a donné une image dégradée de la justice. Nous pensons, et là nous reprenons une proposition de M. Nadal dans la mission pour renouer la confiance publique, que les compétences de la Cour de discipline budgétaire et financière pourraient être élargies. Donc ça ne devrait pas être uniquement le pénal ou rien. Il pourrait y avoir une compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière pour les ordonnateurs lorsqu'ils sont élus ou lorsqu'ils sont ministres. Nous pensons que le contrôle de l'égalité, alors ça aussi c'est quelque chose dont on parle peu, mais que le contrôle de l'égalité, comme l'a dit un rapport du Sénat, est une passoire à géométrie variable, qui a donc un travail important à faire sur le contrôle de l'égalité. Nous pensons que la justice commerciale est dans l'état où le décrivait M. Montebourg et Payon il y a près de 18 ans de cela, avec quelques réformes qui n'ont pas changé grand-chose, y compris la réforme qui donne les affaires les plus importantes à certains tribunaux de commerce spécialisés, et qui a donc à se mêler de... Et ça pose un problème, y compris d'efficacité, de compétitivité économique. Ça, j'en suis persuadé, et d'ailleurs le rapport de Mme Untermaier sur les tribunaux de commerce le soulignait dans la précédente législature. Et nous pensons aussi qu'il serait pertinent, utile, de consolider le droit d'agir des associations. Le droit d'agir des associations est aujourd'hui cantonné aux articles 2-23 et suivants du Code de procédure pénale. Pardon, 2-23, juste, il y a une énumération limitative. Et je pense qu'il faudrait sortir de cette énumération limitative et donner aux associations éventuellement agréées, éventuellement qui ont une certaine ancienneté, la possibilité d'agir conformément à leur statut et pas selon une liste strictement déterminée d'infractions. Donc voilà ce que je voulais dire en préliminaire, en mesurant que nous attendons évidemment de votre part une ambition, une grande ambition à la hauteur des enjeux. Merci à vous. Merci Monsieur Alt. Vous mettez effectivement l'ambition à un niveau élevé. Vous touchez aussi des textes qui ont été modifiés de façon extrêmement récente pour certains d'entre eux. C'est vrai. D'autres qui sont effectivement plutôt des marronniers qu'on voit sortir régulièrement dans les saisons judiciaires. Bon, on passera aux questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Monsieur Plihon. C'est celui-là, il marche, c'est bon. Bon, rebonjour et merci d'abord de nous avoir invités. Nous pensons qu'en effet cette mission est très intéressante. Vous avez dit dans votre introduction qu'il fallait cibler, c'est l'objet de la mission, plutôt sur les moyens. Mais alors du coup, et les moyens de la puissance publique, avez-vous dit? Écoutez, je voudrais élargir, si vous le permettez, parce que moyens de la puissance publique, oui, mais aussi moyens des acteurs qui luttent aussi et qui ne sont pas dans la puissance publique en tant que telle contre la délinquance financière. Je pense que ce champ-là pourrait être élargi dans ces directions, avec des synergies évidentes d'ailleurs, si on s'intéresse à ces deux dimensions, hein, la puissance publique et les acteurs. Vous avez dit aussi dans votre introduction qu'il faut adapter en permanence les moyens de la lutte contre la délinquance financière à l'évolution, hein, l'évolution des pratiques, l'évolution des techniques, l'évolution des acteurs, c'est certain. Et la question que je voudrais poser d'emblée, même si on peut penser qu'elle n'est pas exactement dans votre sujet, c'est la question de la définition précise de la délinquance financière. Parce qu'à partir du moment où on dit il faut adapter les moyens, il faut s'adapter à l'évolution de la société, il faut aussi penser en termes de définition. Je donnerai deux illustrations qui permettent de montrer à quel point ce point est important. Par exemple, la frontière floue qui existe aujourd'hui entre fraude fiscale et évasion fiscale. Je n'insisterai pas. L'évasion fiscale, par exemple, peut relever de l'abus de droit. Et s'agissant de l'abus de droit, on peut considérer que là, il y a une forme de délinquance. Je n'en dis pas plus. L'autre sujet pour lequel on peut s'interroger en termes de définition de la délinquance, c'est ce qu'on pourrait appeler la finance toxique. Nous menons actuellement une campagne à propos des livrets de développement durable, dont on s'aperçoit que durable, parfois, ils n'ont que le nom, c'est-à-dire qu'une partie des ressources collectées sert en réalité à financer des projets qui sont contraires à la lutte contre le réchauffement climatique et au développement durable. Est-ce qu'on peut considérer que là, de la part des acteurs qui sont en cause, il y a une forme de délinquance? En tout cas, nous pensons qu'il y a besoin de préciser dans des domaines qui sont encore une fois en perpétuelle évolution. La question du climat aujourd'hui est devenue un objectif majeur qui relève d'un traité international, qui s'impose aux pays, même si d'autres de grands pays ne le respectent pas. Notre pays est très engagé. Est-ce que là, il n'y a pas aussi des précisions à donner à la notion de délinquance et élargir peut-être sa définition? Alors, si on s'intéresse plus spécifiquement aux moyens stricto sensu, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut donner plus de moyens à celles et ceux, aux acteurs qui luttent contre la délinquance financière. Et là, je ne veux pas répéter, parce que Éric Alt a dit des choses avec lesquelles on est complètement d'accord, la question du lobbyisme, mais je voudrais insister peut-être sur la question des conflits d'intérêts qui est liée. Il nous semble qu'aujourd'hui, l'appareil juridique, et en particulier dans la fonction publique, n'est pas de nature à permettre de lutter d'une manière efficace ou suffisamment efficace contre les conflits d'intérêts. Éric parlait de, on peut appeler des portes tournantes, des cliquets, enfin des tourniquets. Bon, c'est quelque chose qui est en France. Nous sommes probablement un des pays du monde, quand on se compare avec d'autres pays voisins, où cette pratique est la plus répandue, d'une manière vraiment systématique et massive, compte tenu du mode de recrutement bien de la haute fonction publique, mais aussi des dirigeants dans un certain nombre de domaines, finance, industrie, etc. Donc là, il y a vraiment une réflexion à mener et peut-être se prendre en compte la spécificité française qui, dans ce domaine, est relativement... qui pose problème par rapport à la délinquance financière. Donc j'en dis pas plus. Il y a des pays, je pense, non pas un pays européen, mais au Canada, par exemple, où il y a, depuis 2007, un commissaire indépendant au conflit d'intérêts et à l'éthique. Indépendant et qui peut être saisi par la société civile. Je pense que ce genre d'institution, ce genre d'acteur peut jouer un rôle déterminant pour lutter précisément contre les conflits d'intérêts qui, aujourd'hui, soulèvent, sont un vrai problème. Alors l'autre sujet sur lequel je voudrais insister, hein, puisqu'il faut se limiter, c'est la question du droit à l'information, la transparence de l'information. Et là, je redirais, mais avec force, et je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table, qu'on a été vraiment extrêmement déçus, pour ne pas employer un mot plus fort, parce que c'est par le vote de la loi sur le secret des affaires qui, pour nous, limite les conditions dans lesquelles les acteurs que nous sommes pourront lutter, les moyens dont nous disposons pour lutter contre la délinquance, certaines formes de délinquance, le blanchiment, l'évasion fiscale, et ainsi de suite. On pourrait citer. Bon. Et puis, Éric Alt a eu raison de parler de préoccupation par rapport aux décisions récentes du Conseil constitutionnel. On a vraiment un souci, c'est qu'on a le sentiment, et le sentiment, le mot est faible, que les décisions récentes du Conseil constitutionnel font primer en permanence, ou presque en permanence, la liberté d'entreprise sur d'autres droits fondamentaux, comme la question du droit à l'information. Et donc là, aussi, un travail apparaît nécessaire, non seulement en termes de réflexion, mais peut-être aussi de rééquilibrage des institutions. En tout cas, bien sûr, le Conseil constitutionnel surplombe l'ensemble de l'appareil institutionnel de la Ve République. N'empêche que là, il y a un vrai problème. Voilà. Et donc, je souscris tout à fait à la demande d'Anticor de remettre l'accent sur la question de bien commun. Bien commun, par exemple, la lutte contre la délinquance peut être considérée, ou le droit à l'information, qui va dans le même sens, hein, vraiment comme des biens communs, avec tout ce que ça peut impliquer en matière d'organisation juridique, sociale, etc. Voilà. Pour terminer, deux ou trois idées à un niveau plus général. Éric Alt a eu raison de mentionner la question qui nous paraît essentielle de la légalité des acteurs face à la lutte contre la délinquance. Je veux dire que les acteurs qui pratiquent la délinquance sont poursuivis, et c'est légitime, et c'est normal. Il n'empêche qu'on a... Le citoyen peut avoir souvent l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, en fonction de la taille de l'acteur, en fonction de son secteur, etc. Et donc là, il y a nécessité peut-être de réfléchir à rééquilibrer dans le fonctionnement des institutions, qu'elles soient judiciaires ou administratives, eh bien, cette question de l'égalité des acteurs. Je crois que ça n'a pas été mentionné, mais la question aussi, ça fait partie des moyens, des sanctions, le renforcement des sanctions. Il y a des pays autour de nous et outre-Atlantique où on pratique des sanctions extrêmement plus sévères que chez nous par rapport à la délinquance financière. En France, on peut penser qu'on est probablement un des pays où les sanctions sont les moins importantes face à la délinquance de toute forme. Hein. Et donc là, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans votre mission, des comparaisons internationales pourraient être intéressantes à infractions comparables, quelles sont les réponses que peuvent donner tel ou tel pays, les États-Unis, l'Allemagne, la France, et ainsi de suite. Je pense que ça pourrait donner un éclairage qui serait intéressant et qui permettrait peut-être de faire pression pour que les choses changent. Et puis, je terminerai par un point aussi qui a été évoqué, mais comme il nous tient à cœur, je le répète, c'est les moyens, c'est aussi les moyens, je disais en introduction, des acteurs qui luttent contre la délinquance. eh bien, c'est la question du droit d'agir et, je rajouterai, de la légitimité des actions menées par les ONG sur cette question. Alors ça, ça implique une réflexion sur le statut des ONG, leur fonctionnement, les obligations qu'elles doivent remplir, une liste éventuellement des ONG qui seraient habilitées à siéger dans d'éventuelles instances ou à être consultées. Ça nous paraît aujourd'hui, ça nous paraîtrait être une avancée tout à fait importante. Et même, alors là je vais peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais ce n'est pas grave, nous attaque, nous considérons à ce stade aujourd'hui de l'évolution de la lutte contre la délinquance, en particulier l'évasion fiscale, que nous sommes amenés, nous sommes fondés à mener des actions de désobéissance civile en allant dans des banques ou dans des entreprises comme Apple pour dénoncer, en rentrant donc dans leurs magasins, dans leurs sièges, en faisant de l'emport, comme disent les juristes, de sièges. Tout ça, c'est des actions purement symboliques et non violentes. Mais nous pensons que nous sommes habilités, ou plutôt nous sommes fondés à aller un peu plus loin. Et du coup, nous serions intéressés par une réflexion qui pourrait être plus large sur cette question des actions des ONG pour lutter de leur côté contre l'évasion fiscale. Nous avons, par exemple, dans le jugement du référé du 23 février 2018, tribunal des référés de Paris, il y a eu un jugement extrêmement intéressant dans le conflit qui nous a opposé à Apple, où il a été reconnu, un, que nous étions dans notre objet en luttant contre l'évasion fiscale, et que, deux, nous luttions dans l'intérêt général en faisant cela, alors même que nous avions pratiqué une action désobéissance civile. Donc, ceci pose en des termes renouvelés, nouveaux, la manière dont les organisations peuvent agir, et je pense que ça relève un débat avec vous, les élus, peut-être pourrait être intéressant avec d'autres. Ça me paraît, un point qui mérite discussion. En tout cas, je reviens au point initial pour les ONG. Je pense que nous avons besoin d'être renforcés dans notre reconnaissance de défenseurs de l'intérêt général, bien sûr en respectant des conditions bien précises, et de notre légitimité aujourd'hui dans la lutte que nous menons, le plus souvent d'ailleurs, ou pas toujours, mais souvent, aux côtés de la puissance publique contre la délinquance financière. Bon, merci. Merci Monsieur Plihon. Je propose de passer la parole à Madame Aubry pour ça. Merci beaucoup et merci pour ce travail. Je suis rassurée de savoir que vous avez 6 mois vu l'étendue des travaux. Un petit mot déjà pour dire, nous, de quel point de vue on se place. On ne travaille pas sur l'ensemble du champ de la délinquance financière, même si certains éléments sont liés les uns aux autres, et notre porte d'entrée se limite, et c'est déjà beaucoup, à la fraude et à l'évasion fiscale. Et donc, je vais me permettre de m'arrêter là où mes compétences s'arrêtent et de me concentrer sur ce champ unique de la fraude et de l'évasion fiscale. Ma compréhension aussi de votre mission d'évaluation, c'est que, comme vous l'avez rappelé, ne porte pas sur le cadre juridique tel qu'il existe, sachant qu'en effet, plusieurs réformes récentes l'ont amené à faire évoluer. Et j'espère que d'ici la fin du quinquennat, il y aura d'autres occasions pour faire évoluer le cadre juridique. Parce que, comme l'ont rappelé mes collègues, la difficulté sur la fraude et l'évasion fiscale, c'est qu'on a toujours un train de retard énorme sur les fraudeurs et qu'il faut imaginer une métaphore qui marche bien, c'est qu'on a les fraudeurs qui sont loin devant et qui courent très vite. Et nous, les citoyens, les législateurs, les États, nous sommes mis à marcher il y a quelques années derrière eux, mais l'écart continue à s'agrandir si on ne se met pas à courir plus vite qu'eux. Et en matière de fraude et d'évasion fiscale, il y a cette vraie difficulté à s'adapter à l'ingéniosité des montages d'évasion fiscale. Ceci étant dit, le cadre juridique tel qu'il existe à l'heure actuelle et qui est amené à évoluer encore plus dans les années à venir, je l'espère. Du coup, je vais essayer de me concentrer en listant quelques points pêle-mêle qui peuvent pointer des insuffisances en pratique de la mise en application du cadre juridique tel qu'il existe, en espérant que ça rentre bien dans le cadre de ce que vous attendez. Deux champs importants quand on parle de délinquance financière. Il y a le champ purement fiscal, surtout quand on s'intéresse à la fraude et à l'évasion fiscale, et puis il y a le champ judiciaire. Donc quelques points rapides sur chacun de ces deux champs. Sur le champ fiscal, il y a eu un certain nombre de normes qui ont été mises en place au niveau international ces dernières années, dont les normes BEPS de l'OCDE, qui, 1500 pages, 15 points d'action, extrêmement complexes, et qui, de notre point de vue, ne vont pas régler complètement le cœur de la problématique de la fraude et de l'évasion fiscale, mais c'est une discussion qui sort peut-être de votre champ. Mais nous, ce qui nous interpelle, y compris des échanges qu'on a pu avoir avec les services techniques à Bercy, c'est, et je pense qu'ils rentrent dans le champ de votre mission d'évaluation, c'est la manière dont BEPS va et est mise en œuvre en France. Je vous prends un exemple très concret, le point d'action, je crois que c'est le 13, sur le reporting pays par pays. Donc là, on ne parle pas du reporting pays par pays public, mais du reporting pays par pays, qui s'applique quand même à toutes les grandes entreprises. Et quand on a posé la question à Bercy de comment ces données allaient être traitées, puisque l'objectif, c'est quand même de donner à voir et de déceler de potentiels montages d'évasion fiscale, pour le moment, on n'a pas eu de réponse, à notre sens, satisfaisante pour mettre en place des dispositifs qui s'additionnent à ce qui peut déjà exister dans le traitement de ces données-là. Alors, il y a la difficulté de pouvoir vérifier la qualité de ces données, y compris parce qu'en 2018, c'est la première année où les entreprises vont faire ce reporting. Mais pour nous, il est essentiel que vous puissiez aussi voir de votre côté, et sans doute, et je l'espère, vous aurez des informations plus rassurantes que celles auxquelles on a pu accéder avec cet objectif final de pouvoir détecter davantage de manipulations de prix de transfert. Et derrière, en lien, y compris avec l'assouplissement du verrou de Bercy tout juste voté, de judiciariser des cas de fraude et d'évasion fiscale de la part de grandes entreprises. Un autre mot sur le reporting, cette fois-ci sur le reporting pays par pays public, tel qu'il existe depuis la loi bancaire de 2013 en France. Pareil, dans l'application des politiques publiques, nous avons regardé de notre côté le reporting public des banques françaises, puisqu'elles étaient les premières, puis ensuite des banques européennes, puisque c'est lié à une directive européenne. Je vous ai ramené ici les deux rapports. Au-delà des conclusions de l'utilité de ces données, on a pu voir une certaine déconnexion de l'activité des grandes banques européennes dans les paradis fiscaux, quand elles font plus d'un quart de leurs bénéfices et quand elles n'ont que 8% de leurs employés, on peut déjà avoir des indications de déconnexion de ces deux éléments-là. Mais là aussi, je pense que ça sort de votre champ. En revanche, sur l'application du reporting public tel qu'il existe à l'heure actuelle, et ça faisait partie des recommandations qui étaient issues de notre analyse, nous, utilisateurs de ces données, nous, ONG, y compris dans l'objectif initial fixé par la loi qui est qui est un débat public autour de l'activité des banques dans les paradis fiscaux. On a listé un certain nombre de problématiques pour utiliser en pratique ces données. Je vous en cite quelques-unes en exemple et je vous donnerai la liste exhaustive. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas de format uniformisé de ces données, qu'elles soient disponibles uniquement sur un format PDF à la page 435 du rapport financier et non en open data sur un registre centralisé comme ça peut se faire sur d'autres enjeux. On s'est heurté à différentes difficultés sur la typologie de l'activité des banques, sur la définition relativement vague de certains concepts comme celui des subventions qui fait partie des informations qui sont requises. Donc résultat, l'ensemble des banques ont reporté 0, alors qu'on estime que pour être inclus dans les subventions, l'ensemble des aides d'État dont les banques ont pu bénéficier, que ce soit crédit d'impôt, exonération, etc. Je ne vous fais pas la liste entière, mais c'est pour vous donner des exemples très concrets, très pratiques, de la difficulté qu'on a eue, nous, à utiliser ces données d'un point de vue de l'utilisateur. Et je suis sûre que le législateur n'avait pas, et nous y compris, honnêtement, on n'avait pas forcément pensé à l'ensemble de ces obstacles-là. Et donc, c'est l'occasion, j'espère, de remédier à ces obstacles très concrets. Et puis, un dernier point sur la question purement fiscale. Parfois, il y a des lois qui sont faites, mais qui ne sont jamais mises en application. Je pense notamment au registre des trusts, qui est une de nos marottes, donc adoptée en 2013. On n'a jamais eu le décret, on a fini par avoir le décret, puis ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, ce qui me permet d'en remettre une couche sur l'enjeu du Conseil constitutionnel, parce qu'on peut continuer à faire des lois. Si elles ne sont jamais appliquées parce qu'elles sont censurées par le Conseil constitutionnel, on n'arrive pas à œuvrer contre l'indélinquance financière, et nous, on a compté 16 censures de mesures de lutte contre l'évasion fiscale depuis 2013, au motif principal de la protection de la liberté d'entreprendre, mais pas unique. C'est le cas notamment du reporting public étendu à l'ensemble des secteurs d'activité et pas uniquement aux banques, qui était prévu dans la loi Sapin 2 et dont on déplore qu'il a été censuré, puisque le reporting des banques, de nouveau, prouve qu'il est utile. Un mot maintenant sur le système judiciaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, sur les sanctions telles qu'elles existent à l'heure actuelle, on peut penser qu'elles sont insuffisantes sur le papier, surtout d'un point de vue des entreprises. Et là, je vous renvoie aux conclusions qu'on partage largement, donc je ne vais pas les détailler ici, du rapport qui a eu lieu en début 2017 d'évaluation de la loi contre la fraude fiscale de 2013, qui fait état notamment du manque de sanctions sur le papier pour les entreprises et tout l'enjeu autour du fait que ce soit limité au quintuple du maximum encouru par les personnes physiques. Donc vraiment, on vous interpelle. Et de notre point de vue, aujourd'hui, le vrai enjeu en matière de délinquance financière, c'est celui des grandes entreprises. Parce qu'il faut voir aussi le verre à moitié plein. Nous pensons que des vrais progrès ont été faits en matière de lutte contre la délinquance financière à l'égard des particuliers ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé tous les problèmes, mais on pense qu'il y a des progrès qui ont été faits et on s'en félicite. C'est grâce notamment à l'action de la France et d'autres pays et de la coopération au niveau international. On peut penser à l'échange automatique d'informations. Donc des choses ont été faites. Par contre, on pense qu'on est en train de perdre la bataille sur la délinquance financière. Là, je vais m'arrêter à l'évasion fiscale spécifique des grandes entreprises. Et donc, ça doit être, je pense, une des priorités pour vous, à la fois sur les sanctions potentiellement encourues, mais aussi sur, en pratique, le nombre de sanctions qui sont effectivement prononcées. Alors, il y a le problème du nombre de poursuites qui, j'espère, avancera avec l'assouplissement du Véro-Bercy. Je ne reviens pas sur ce débat-là. Mais il y a une forme de tolérance envers la délinquance en col blanc, y compris parce qu'il y a la difficulté à pouvoir poursuivre les bonnes personnes. Mais l'autre difficulté, parce que sur les bonnes personnes, c'est on considère que pour poursuivre, l'infraction a été commise par les organes ou les représentants de l'entreprise. Et c'est parfois difficile à identifier qu'une personne a agi au nom de l'entreprise. C'est la première difficulté. Mais la deuxième difficulté au niveau de la délinquance financière de manière plus générale, c'est que la justice a tendance à être globalement plus clémente parce que le logiciel judiciaire de sanctions ne s'applique pas forcément à la délinquance financière, où on va juger des personnes qui sont plus insérées en général socialement ou des entreprises. Et donc, on va limiter les sanctions à des sanctions financières. Là où on voit qu'en pratique, nous, dans notre travail, quand on fait des recherches sur les pratiques fiscales des grandes entreprises, on s'aperçoit qu'en fait, le risque est intégré par les entreprises et qu'elles prennent en compte ce risque en essayant de mesurer le risque financier et qu'elles adaptent l'ensemble de leur modèle économique au risque financier pris. Je me souviens de quelque chose qui nous avait marqué, notamment d'une audition de cabinets d'audit qui font ces montages d'évasion fiscale au Royaume-Uni, qui avaient avoué que, en gros, si le montage fiscal avait moins de chances de 40% de se faire prendre, ils le font quand même et juste le facturent à leurs clients. Ce qui m'amène à un dernier point sur la question du rôle des intermédiaires qui est assez peu pointé du doigt quand on parle de délinquance financière, c'est que ce serait illusoire de penser qu'il y a juste une personne ou un groupe d'entreprises qui agit qui sont des délinquants financiers. Il y a tout un réseau autour d'eux et qu'il est important de s'attaquer à l'ensemble de ce réseau. Alors là, je vais revenir à la loi, mais en la matière, on était assez déçus de l'article qui portait sur ce sujet-là dans le cadre de la loi fraude fiscale, puisqu'elle ne prévoit que la sanction soit limitée à 50% du montant du service rendu, du service facturé à l'entreprise, alors qu'on aurait pu penser qu'il y ait une forme de solidarité entre le montage et la condamnation en bout de chaîne du délinquant et de celui qui l'a aidé, et que, voire même, on aille vers une sanction qui soit proportionnelle au chiffre d'affaires, avec la proportion nécessaire pour éviter la censure du Conseil constitutionnel, qui est un enjeu sur lequel je ne reviens pas. Un dernier point aussi pour insister aussi sur le rôle à jouer des ONG, je pense, et je veux dire ça, pas du tout pour nous jeter des fleurs, mais parce que c'est aussi un terrain aride pour nous. Mais en travaillant depuis des années sur ces sujets, on s'est spécialisé, on s'est formé. Je pense qu'aujourd'hui, les ONG et la société civile ont une compétence en matière financière et que la puissance publique a intérêt à céder des compétences partout où elles sont, y compris de la part des ONG. Et j'insiste sur la nécessité pour les ONG de se porter aussi partie civile dans des procès de délinquance financière. C'est aujourd'hui aujourd'hui possible pour la corruption, mais ce ne l'est pas, notamment en matière d'évasion fiscale. Donc je remets cette proposition-là sur la table et je m'arrête là. Merci, Madame Aubry. Merci pour vos illustrations aussi. Madame Foucraut. Alors, merci de nous avoir invités. Donc, je suis la dernière à parler, donc beaucoup de choses a déjà été dit et le temps court, donc j'essaierai de ne pas répéter ce qu'ont dit les autres et d'être aussi synthétique que possible. Peut-être quand même quelques éléments de diagnostic ou de contexte qui nous permettront aussi de voir en partie le verre à moitié plein. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Manon brièvement, beaucoup d'avancées ont été enregistrées ces dernières années. Ces avancées, quelles sont-elles ? Pour nous, les principales, ça va être la création du parquet national financier, qui, on l'oublie, on a l'impression qu'il est, tant il est actif, médiatique, qu'il a toujours été là, mais non, c'est une institution qui est encore récente, qui a moins de 5 ans. La loi Sapin 2 de 2016 sur la délinquance contre qui lutte contre la corruption et la délinquance économique, avec 3 mesures importantes de notre point de vue. Une protection des lanceurs d'alerte, qui aujourd'hui, même si elle est toujours imparfaite, pourrait encore être améliorée parmi les meilleures en Europe, avec un gros point de vigilance suite à la loi secret des affaires, mais néanmoins. La création aussi de plans de prévention de la corruption obligatoires pour les grandes entreprises, placés sous le contrôle de l'Agence française anticorruption. Encore une fois, une institution qui est récente, qui a vu le jour fin 2016 avec la loi Sapin 2. Et là-dessus, on est un peu isolé par rapport aux autres personnes présentes sur cette table ronde, mais la Convention judiciaire d'intérêt public, qui, du point de vue de Transparency International, est une avancée dans la lutte contre la corruption. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Par ailleurs, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Manon, mais également une accélération quand même de la lutte contre l'évasion fiscale et des rentrées d'argent. Alors, en partie du fait de l'action de la justice et de l'administration, bien sûr, mais aussi du fait des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation, donc les fameux leaks qu'il y a pu y avoir à différents moments. Le procès UBS est en cours pour nous le rappeler. Donc voilà, quand même rappeler que tout n'est pas mauvais, qu'il y a quand même eu des avancées qui ont été faites. Pour autant, ces avancées ne permettent pas de masquer un bilan qui est quand même contrasté. Contrasté, on l'a vu encore très récemment, il y a un rapport d'évaluation de l'action des États, de la mise en œuvre effective de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption et les pots de vin, qui est une convention que la France a ratifiée en 2000 et qui, à ce jour, est le principal instrument international de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales. Bref, donc ce rapport d'évaluation qui vise une quarantaine d'États classe la France dans la catégorie mise en œuvre limitée, notamment du fait que pour sortir de cette catégorie, il faut certes un cadre légal, mais aussi des moyens adéquats pour les agences en charge du contrôle et des sanctions. Mais là, je pense que ça fait directement écho au mandat qui est celui de votre mission. Et donc, on constate quand même que dans de nombreux pays, tous les services de police et de justice en charge de la lutte contre la délinquance économique et financière sont globalement mal équipés, ou en tout cas insuffisamment dotés. Ce rapport, je pourrais vous le transmettre, il est assez éclairant. Alors, du coup, sur ce bilan contrasté, peut-être 3 priorités. Je ne citerai que 3 sujets. Beaucoup de choses ont été dites. On partage en grande partie. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, on a beaucoup de recommandations sur les conflits d'intérêts, la déontologie de la fonction publique, le lobbying, le financement de la politique, des sujets qui ont déjà été abordés, y compris d'ailleurs s'agissant du Parlement et des parlementaires. Mais 3 priorités, en tout cas, de notre point de vue. Le premier, vraiment augmenter les moyens de la justice, et notamment de la justice qui s'occupe des affaires financières, de la lutte contre la corruption, contre la délinquance économique. Pour nous, l'augmentation des moyens de la justice, c'est vraiment une condition de l'indépendance de la justice, c'est-à-dire son indépendance réelle. Évidemment, il y a le débat sur le statut du parquet. sur lequel on est actif dans le cadre de la loi, dans le projet de réforme constitutionnelle, c'est évidemment essentiel. Mais au-delà du statut du parquet, il y a cette question de la bataille des moyens, qui est vraiment une condition d'indépendance réelle de la justice. Juste un chiffre, moi je vous invite à regarder quelles étaient dans l'étude d'impact de la loi créant le parquet national financier, les moyens qui étaient envisagés dans l'étude d'impact. En fait, on n'y est toujours pas. Donc, moi, j'ai noté quelques chiffres. En octobre 2016, le PNF comptait 15 magistrats, donc c'est un petit peu plus aujourd'hui, avec un ratio moyen de 27 dossiers. Bon, l'étude d'impact, en amont de la loi instituant le PNF, postulait qu'un parquetier ne peut assurer le suivi de plus de 8 affaires. Voilà, 27 dossiers, 8 affaires. Donc, on peut se référer déjà à cette étude d'impact et voir la réalité des moyens qui ont été alloués à cette institution, le parquet national financier. D'ailleurs, il est assez symptomatique que les moyens alloués aux juridictions financières en fait, sont pas détaillés ni commentés spécifiquement dans les annexes au projet de loi de finances. Finalement, c'est très peu. Donc, c'est noyé dans la masse des crédits de la justice. C'est compréhensible d'une certaine manière. Mais du coup, voilà, pose cette question des moyens. Moyens également de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de l'AFA, toutes ces institutions qui jouent un rôle important pour faire reculer la délinquance économique. Et s'agissant de l'Agence française anticorruption, la question de son statut, ce n'est pas une agence administrative indépendante. On l'avait regretté au moment de la loi Sapin 2 ou Transparency International préconisait plutôt qu'elle ait un statut d'autorité indépendante et non pas une double tutelle, comme c'est le cas aujourd'hui, de l'administration de Bercy et de la justice. Donc voilà le premier point, les moyens de la justice, pour nous, qui est véritablement essentiel. Le deuxième, c'est celui de la restitution des avoirs. Et je vais faire le lien entre les deux. Transparency International est partie civile dans un procès important qui est celui des biens mal acquis. C'est un procès qui a commencé, dont le dépôt de plainte a commencé en 2007. On a eu le procès en première instance l'année dernière, donc au bout de 10 ans. Donc voilà, on a déjà une illustration de ce que sont, en fait, de ce qu'est cette bataille des moyens. Alors, le procès des biens mal acquis, c'est celui, en fait, des avoirs illicites issus de la corruption. Donc, pas de personnes corrompues de nationalité française, de personnes, en l'occurrence, qui sont voilà, dans des schémas de grande corruption à l'étranger, en l'espèce en Guinée équatoriale, mais dont les avoirs sont situés en France. Donc, un immeuble avenue Foch, etc. Du coup, la France se retrouve en fait à être l'abri de ces avoirs illicites issus de la corruption. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous paraît vraiment essentiel, vraiment une priorité de plaidoyer pour Transparency International. Donc, faire aboutir ces procès pour vraiment faire reculer la corruption au niveau international. C'est aussi une autre problématique connexe, qui est celle des golden visas. Donc, comment en fait l'Union européenne accorde des visas à des personnalités contre de l'argent, contre des investissements. Un rapport est paru récemment, je pourrais également vous l'envoyer si vous voulez, ce qui dans certains cas peut alimenter la corruption. Et le point connexe des biens mal acquis, c'est la restitution des avoirs. Si jamais ces procès aboutissent, les avoirs sont gelés, saisis, voilà, où vont-ils? S'ils viennent abonder le budget général de l'État, bon, on n'aura pas vraiment progressé dans le sens où l'argent n'aura pas été restitué aux populations qui sont victimes. Donc, le point a déjà été soulevé par Éric Alt, mais pour nous, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire de se doter de mécanismes qui permettent d'avoir une restitution des avoirs. On a des propositions en ce sens, dont il serait hautement souhaitable qu'elles puissent aboutir avant que le procès des biens mal acquis arrive dans ces condamnations définitives, puisque bien évidemment, il y a eu appel sur la décision. Et le dernier point avant de terminer, ce serait sur vraiment la question de la coopération internationale contre la délinquance économique en bande organisée. Donc beaucoup de choses ont été dites sur l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. Une question quand même qui peut se poser, c'est quelles sont les positions prises par la France au niveau des instances internationales, alors notamment au niveau européen, sur des questions clés, donc notamment le reporting public pays par pays, le registre des trusts, bien sûr, les bénéficiaires effectifs, question, la même question. Donc sur toutes ces questions-là, on a des échos un peu différenciés, souvent on obtient via nos collègues qui travaillent à Bruxelles, des éléments sur les positions défendues par la France. Mais je pense qu'il serait peut-être probablement utile que la France puisse prendre position plus fortement et plus de manière peut-être plus transparente sur ces questions de coopération internationale contre la délinquance économique, notamment en bande organisée. Voilà. Les autres sujets, je pense, ont été déjà assez largement abordés par les autres, donc je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais si vous avez des questions sur nos positions, j'y répondrai avec plaisir. Merci, Madame Foucraut. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Peut-être quelques questions un peu pour lancer le débat, qui sont des questions un petit peu ponctuelles. La première, bon, on a des interventions qui sont effectivement, et c'est tout à fait normal, centrées sur le rôle des associations, des ONG et leur capacité à agir. Moi, je comprends que, effectivement, pour vous, c'est un des enjeux très forts, ces moyens privés, ces moyens civiques, si je puis dire. Vous avez parlé de la capacité à agir, qui est un sujet, au plan du droit, l'accès à l'information. Est-ce que se pose aussi pour vous la question de la capacité, je dirais, organisationnelle? Et finalement, vous avez une organisation, vous avez des membres, vous avez des réseaux, vous avez des personnes qui vous alimentent en information, peut-être, vous vous portez partie civile par moment. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la mesure de ce que ça peut signifier pour chacun d'entre vous, cette contribution, finalement, en tant qu'acteur privé, à exercer ce contrôle, finalement, par la voie judiciaire? Ça, c'est une question, parce qu'effectivement, pour nous, c'est assez... on le voit parfois dans les médias, mais c'est un peu opaque. Deuxième question, et vraiment, je vais vite sur les unes et les autres, sur la question des conflits d'intérêts, spécificité française. Alors, spécificité française, pardon, c'est plutôt le passage public-privé. Est-ce que... Alors, on a tous en tête des débats plutôt, moi je dirais des débats éthiques qui ont pu avoir lieu sur la commission de déontologie par rapport à tel ou tel secrétaire général de l'Élysée qui est devenu président de banque, etc. Bon. Donc les questions éthiques, on les voit bien. Mais les questions de délinquance financière liées à ce passage public-privé, est-ce que c'est de même nature? Est-ce que vous pouvez nous illustrer un petit peu, la prévalence de cette forme de risque? Troisième petite question, et je m'en arrêterai là pour l'instant. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas Hugo, mais moi, je découvre beaucoup de choses dans ce que vous dites, notamment la symétrie d'information entre le secteur financier et le secteur non financier en matière de disclosure, comment dire, de reporting et voilà, d'information. Petite question que je me pose dans le domaine financier. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus, effectivement, supervisés que d'autres secteurs. Sur le plan, je dirais, simplement du contrôle du bilan, ils sont très réglementés, ils sont très supervisés. De votre point de vue, finalement, est-ce que, et sachant qu'effectivement la supervision financière s'est incroyablement renforcée depuis une quinzaine d'années, avec Bâle, Solvency, et j'en passe, est-ce que de votre point de vue, ce travail de... Excusez-moi, les mots anglais me sortent de la tête, mais travail de compliance, de conformité, merci. Ce travail de conformité, finalement, lui-même, a permis ou a contribué, finalement, à une plus grande efficacité, une plus grande transparence? Ou est-ce que, finalement, supervision, contrôle financier d'un côté, et contrôle au sens, je dirais, enfin, supervision prudentielle d'un côté, pardon, et de l'autre, contrôle de conformité sont vraiment très étanches et on n'arrive pas à alimenter, je dirais, par la supervision prudentielle des questions. Et je parle de ça justement quand vous parliez effectivement de la non-possibilité d'accéder aux chiffres, le fait que ce soit des PDF et pas des Excel, que les reportings ne sont pas toutes la même qualité. Alors évidemment, dans le contrôle prudentiel, on a accès à tout et dans le détail. Hugo, peut-être tu... Oui, donc d'abord, première question sur la capacité d'agir. C'est un des piliers d'Anticor que d'agir en justice. Mais ce que je souhaite souligner, c'est un certain nombre d'affaires portées devant la justice ne l'auraient pas été sans l'action des associations. Pas d'affaires des biens mal acquis sans Transparency International et Sherpa. Pas d'affaires Lafarge, tout au moins au départ, sans l'action de Sherpa. Pas d'affaires des sondages de l'Élysée sans l'action d'Anticor. Donc le parquet a l'opportunité des poursuites, et tant que le parquet a l'opportunité des poursuites et tant qu'il demeure subordonné au garde des Sceaux, cette question se pose avec une acuité toute particulière. Elle pourrait se poser de façon différente, je pense qu'elle se posera quand même, dans l'hypothèse où le parquet aurait plus d'indépendance, mais on verra ce que dirait la Constitution. Donc nous avons à Anticor une douzaine de constitutions de parties civiles, et puis une palette un peu plus large de dossiers dans lesquels nous sommes intervenus pour porter des informations que nous avions, notamment par nos réseaux locaux. Donc c'est un élément important d'action, c'est évidemment pas le seul, il ne faut pas évidemment se laisser capter par le volet judiciaire, mais c'est un élément important, et c'est un élément qui a été bridé par la Cour de cassation dans l'arrêt Bigmalion du 31 janvier dernier, puisque jusqu'à présent la Cour de cassation considérait que lorsqu'une association avait fait la preuve de son investissement sur un sujet, sur un plaidoyer, elle était légitime à agir et qu'elle pouvait démontrer au cas par cas sa légitimité à agir. Désormais, il y a un revirement de jurisprudence qui est la logique, qui est la conséquence logique de l'inscription dans la loi du droit d'agir des associations. Il y a un revirement de jurisprudence. Elle dit maintenant, il y a la loi qui définit un nombre limité d'infractions pour lesquelles les associations sont habilitées à agir. Et si elles démontrent, même si elles démontrent leur investissement sur un sujet, eh bien, irrecevabilité. Donc là, il y a un problème, et Manon Aubry le soulignait, évidemment, en matière de fraude fiscale, c'est sûr que je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'actions de constitution de partie civile en matière dans la matière d'Anticor ou d'Oxfam, si Oxfam devait avoir l'habilitation. Mais c'est un peu contradictoire de dire maintenant il n'y a plus de Véro-Bercy, on entre dans le droit commun et effectivement de laisser les associations entre parenthèses. Ensuite, sur le système, vous dites passage public-privé, c'est pas de la délinquance financière. C'est pas de la délinquance financière a priori, mais si on est sur la prise illégale d'intérêt, on entre dans un sujet de délinquance financière. Donc, à Anticor, nous avons une plainte déposée en mai dernier concernant un responsable. L'intérêt n'était pas tellement de viser un responsable. L'intérêt, c'était effectivement de démontrer que ce mélange des gens pouvait éventuellement, on verra ce que dira l'enquête, mener à la prise illégale d'intérêt. Donc on n'est pas sur un sujet étranger à la délinquance financière, même si évidemment il vaut mieux prévenir cette délinquance financière et donc avoir des institutions de régulation et de contrôle efficaces. C'est une commission de déontologie de la fonction publique, peut-être avec des pouvoirs plus étendus, à supposer que vous n'entriez pas dans notre logique qui consiste à avoir une unité... une entité nouvelle de lutte contre la corruption. Et sur le système de conformité, donc là, je laisserai peut-être parler Transparency International, mais ce que je dirais, c'est que nous savons bien que toutes les entreprises ont des chartes et qu'elles n'ont pas attendu le législateur pour avoir des chartes. La question est la façon dont elles mettent en place cette conformité aux chartes. Donc Sherpa a maintenant... obtenu par son plaidoyer, convaincu le législateur d'avoir une loi sur la vigilance des sociétés mères du fait de leurs filiales. J'ai vu pas plus tard qu'avant-hier Cash Investigation montrant que cette disposition de responsabilité des sociétés mères du fait des filiales et des sous-filiales reste encore à mettre en place et que tant que ce n'est pas en place, il y a une matière, une marge, une zone d'ombre, une zone grise où des phénomènes de délinquance et de criminalité peuvent effectivement prendre place. Ah, pardon. Il faut éteindre. Merci. Oui, alors je vais répondre aussi aux trois points de manière complémentaire hein, que vous avez évoqués. La capacité organisationnelle. Alors, chaque organisation a sa culture et ses spécificités. Pour nous, ATTAC, nous nous définissons comme une association d'éducation populaire tournée vers l'action. Éducation, ça veut dire que le premier élément d'action, pour nous, de notre rôle dans la société, nous considérons que c'est un rôle d'éducation et d'expertise. Bon, d'abord, expertise, évidemment, connaître les dossiers sur lesquels nous travaillons et en lien d'ailleurs souvent avec d'autres organisations, nous travaillons collectivement. Et deuxièmement, éducation au sens où nous pensons que les citoyens, pour que la démocratie fonctionne bien, il faut que les citoyens soient le mieux informés possible et pas uniquement en recevant une quantité d'informations importantes comme c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus volumineuse, mais aussi être capable de la décrypter, Donc nous décryptons, évidemment, à notre manière, avec notre vision, mais nous essayons d'apporter, de contribuer à une information pluraliste, disons, hein, dans la société. Ça nous paraît important. L'autre point, l'action. Chaque organisation aussi a ses spécificités. Certaines mettront plus l'accent sur le plaidoyer, d'autres sur d'autres formes d'action. Je le disais tout à l'heure en terminant, nous avons pensé qu'il fallait aussi agir à d'autres niveaux, et par exemple au niveau d'actions de désobéissance civile. Mais je crois que ces différentes formes d'action sont tout à fait complémentaires. Voilà comment. Et alors, ceci, comment nous travaillons. Nous sommes des associations qui avons assez peu de moyens financiers, essentiellement financées indépendantes, financées par nos cotisations. Et donc, l'essentiel du travail, c'est du bénévolat. Ce sont des citoyennes et des citoyens qui travaillent bénévolement. Nous avons quelques salariés, mais c'est surtout le travail bénévole de citoyens engagés. Voilà. Et ça nous paraît important que dans la société d'aujourd'hui se développe ce type d'engagement citoyen. C'est un gage de démocratie, un gage de vie sociale plus dynamique, etc. Alors, l'histoire des conflits d'intérêts, vous avez eu raison de rectifier. Bon, dans ce que j'ai dit, je pensais surtout, bien sûr, au passage public-privé. Et vous posez la question, où est la délinquance? Alors, évidemment, on peut réfléchir, mais je prends un exemple sans donner de nom, mais hélas, vous serez oublié. Bon, ce sera facile de voir à quelle personne je pense. Quand un ancien secrétaire général de l'Élysée, adjoint, s'occupe de la restructuration d'une banque au moment de la crise, et qu'ensuite il est nommé président de cette banque, et qui agit donc au sein de cette banque, donc en lien complet avec l'action qu'il a menée avant en tant que superviseur, en tant que décideur public, il y a un problème, quoi. Et alors on peut dire que ce n'est pas de la délinquance. Du coup, c'est pour ça que je posais la question, il faut définir la délinquance. La délinquance, ce n'est pas uniquement la prise illégale d'intérêt, c'est aussi peut-être le fait que certains acteurs aujourd'hui peuvent jouer un rôle qui est démocratiquement répréhensible, c'est-à-dire à un moment donné se retrouver en tant que représentant de la puissance publique et donc de l'intérêt général, et puis après le lendemain se retrouver agissant envers certains acteurs privés, et le lendemain se trouvant à la tête de ces acteurs privés. Il y a un vrai souci, et ce que je déplore, c'est que nos institutions et nos règles ne soit pas suffisamment contraignante pour que ce genre de comportement soit vraiment sanctionné d'une manière telle qu'elle ne se reproduise pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon. Ensuite, alors l'histoire conformité prudentielle. La régulation prudentielle, son rôle prioritaire, et pour ne pas dire unique, c'est de lutter contre l'instabilité financière, la défaillance des banques en particulier. Ce n'est pas du tout la même chose que la délinquance, même si les deux peuvent évidemment à certains moments interférer. Et donc, je pense qu'il faut traiter les deux sujets d'une manière assez distincte, parce que vous pouvez avoir une très bonne supervision prudentielle, où il y a des progrès considérables qui ont été faits, vous l'avez dit, avec Bâle III, par exemple, pour autant, sans que les avancées dans le domaine de la lutte contre la délinquance soient à la hauteur. Donc je pense qu'il faut mettre les deux domaines sur des plans relativement différents, s'agissant des banques notamment, et par exemple des assurances. Si je peux me permettre sur ce sujet précis, vous pouvez éteindre votre... Voilà, quelques secondes. On a vécu une crise financière en 2008, qui était une crise de subprime, avec effectivement des problèmes de qualification des actifs, de collatéraux, de titrisation et surtitrisation, qui s'apparentent in fine en fait à de la délinquance, quelque part, puisque on a mis sur le marché, pour des publics pas forcément informés, des risques qui n'étaient pas dévoilés. Et donc c'est là où on se dit, quand on pense délinquance financière, là on en a une qui a coûté quand même des milliers de milliards d'euros aux contribuables et à l'économie. Il y a eu des conséquences pénales dans ces affaires, sans parler même, y compris de fraude absolue comme Madoff. Hein, bon. Et donc la question effectivement que moi je posais, au-delà de la stabilité financière et de la qualité du capital, etc., c'est une des formes de la délinquance financière, c'est aussi l'absence de maîtrise des risques qu'on met sur le marché au bénéfice exclusif du vendeur, en fait. Et pour rien vous cacher, il y a une jurisprudence récente aussi d'une cour d'appel qui, moi, m'a frappé, qui dit effectivement que vendre à une collectivité locale un instrument, je dirais, un swap, sans limite de risque, en fait, on vend un instrument spéculatif et non pas une couverture. Et ça a été reconnu comme actif. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même des domaines sur lesquels peut-être, et vous avez une culture particulière par rapport à ces sujets, sur lesquels peut-être le champ n'est pas explicité. Hein. Vous avez raison, je voudrais juste compléter. Il y a un autre domaine qui n'est pas du tout, pas le même, hein, la question du contrôle interne des banques. C'est-à-dire que les banques, les très grandes banques qui en ont les moyens de calculer elles-mêmes et de pondérer elles-mêmes leurs risques dans le calcul des ratios de fonds propres. Et on s'est aperçu, ce qui n'était pas une surprise, hein, nous on avait dit il y a un problème là depuis bien avant Bâle II, à l'occurrence c'était Bâle II, c'est qu'on s'aperçoit que les banques ont intérêt à sous-estimer les risques volontairement pour avoir moins d'exigences de fonds propres, conduisant par là à une vulnérabilité, etc. Et donc pour nous, c'est des comportements qui s'apparentent à la délinquance, parce que ça a mis certaines banques, pas les banques françaises, c'est vrai, mais dans d'autres pays, en Italie par exemple, ou même en Allemagne, ça a mis des banques au bord de la faillite, avec des conséquences systémiques qui pouvaient être absolument considérables, si les États et les banques centrales n'étaient pas intervenus. Donc, bien sûr, je suis d'accord, hein, j'ai peut-être été trop abrupt, mais je pense quand même qu'il faut essayer de bien distinguer les deux, même si à certains moments critiques, quand il y a des crises en particulier, vous avez raison, les deux interfèrent. Alors, pour compléter, je vais m'abstenir de répondre à la deuxième question qui, je pense, vous concerne plus. Sur la première, sur la question des moyens, alors nous sommes une ONG qui avons la chance d'être présents dans quasiment une centaine de pays dans le monde, ce qui nous permet de travailler en coordination et en étroite collaboration d'un pays à un autre, y compris sur des sujets qui sont éminemment internationaux, tant d'un point de vue de la régulation que d'un point de vue de la recherche, la documentation de cas de fraude et d'évasion fiscale. C'est une chance, mais qui est loin d'être suffisante compte tenu des enjeux, et on aimerait tous être beaucoup plus nombreux. La manière dont on agit, c'est que on fait énormément de recherches, comme par exemple l'analyse des données des banques que je vous mentionnais, qui est le fruit d'un an de travail, par exemple. Le traitement des données et l'analyse des données, c'est un an de travail qu'on publie pour ensuite aussi espérer de faire évoluer la régulation. C'est la manière dont on agit. On n'agit pas ou pas encore dans le domaine judiciaire parce que notre mandat et notre action et notre expertise se limitent à la fraude et l'évasion fiscale, et précisément ce qu'on n'a pas l'opportunité de se porter partie civile. Mais j'insiste là-dessus, c'est important parce que, y compris dans le débat qu'il y a eu sur la loi fraude fiscale, au moment où cet amendement a été proposé de donner aux ONG la possibilité de se porter partie civile, rassurez-vous, si demain nous avons la possibilité de nous porter partie civile, si on arrive à faire un procès en 3 ans, ce serait déjà extraordinaire au vu de nos capacités et de nos moyens. Et qu'aujourd'hui, les ONG n'ont pas vocation à remplacer la puissance publique, tant d'un point de vue de l'élaboration de la norme que d'un point de vue de l'application de la norme. Notre objectif, et c'est notre vision, je pense, conjointe à nous tous, c'est de porter une attente citoyenne qu'on traduit de manière technique parce que c'est notre métier et parce qu'on a des connaissances spécifiques sur le sujet et parce qu'on connaît bien la manière dont fonctionne la loi. En tout cas, c'est la manière dont on envisage notre rôle et notre travail, et y compris dans un contexte de moyens limités pour les ONG qui sont les nôtres. Ce qui me fait penser que sur la question des moyens, pour compléter, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire quand même de notre point de vue externe sur les moyens donnés, notamment par la justice, parce que Elsa a parlé de la question du PNF, mais je pense que le problème se pose à tous les étages, et je vous encourage vraiment à interroger les syndicats de la magistrature à ce sujet qui vous donnerait le point de vue interne. Mais du point de vue externe, le fait est qu'il y a une difficulté qui est double, à la fois du côté enquête au plus petit niveau de la délinquance financière, au niveau des sûretés urbaines, de la capacité de la police d'enquêter sur les dossiers fiscaux qui sont souvent pas priorisés aux côtés d'autres dossiers qu'on peut voir dans les commissariats, hein, concrètement. Hein, je me mets à la place du policier qui reçoit quelqu'un qui a fait un patron qui a fait une petite fraude à la TVA, mettons un patron qui est parti avec l'argent de la caisse. Ça a eu un impact sur les salariés, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément priorisé au niveau de ce qu'on appelle les plus petites délinquances financières, mais qui ont quand même leur importance. Il y a cette problématique-là sur la question des moyens. Il y a la question aussi de comment on fait pour détecter, parce que même si on a fait des progrès dans la protection des lanceurs d'alerte, là on pense aux plus gros cas, les HSBC, LuxLeaks, etc. Mais se pose la question de comment on fait pour détecter dès le début, pour porter un cas en justice, des cas de nouveau de plus petite délinquance financière. Et je me souviens avoir discuté avec des juges qui me disaient, bah, en fait, quand on interrogeait après les salariés, tout le monde était au courant. de malversations financières au sein de l'entreprise. Mais vu que ce ne sont pas des malversations énormes, d'une part, et d'autre part, qu'il y a leur emploi en jeu, forcément, il n'y avait pas d'incitation pour eux à aller le dénoncer, à judiciariser un cas qui nécessiterait d'être judiciarisé, même si, en termes de volume financier perdu, je pense que ce n'est pas le plus gros enjeu. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous, à Oxfam, on ne se concentre pas forcément sur ce type de délinquance financière-là. Mais je me permets de le mentionner parce que je pense que c'est son importance en vous renvoyant vers les syndicats de la magistrature qui vous donneraient leur expérience interne à ce sujet. Et le dernier point sur la question des moyens, il y a aussi faciliter la coopération entre la justice et l'administration fiscale. On est du point de vue de la loi, mais on est aussi du point de vue de l'application. Et je pense que j'espère que des progrès vont être faits à la suite de la loi fraude fiscale, l'assouplissement du verrou de Bercy, etc. Mais il était quand même proposé, une proposition qui malheureusement n'a pas été reprise dans le rapport mené par votre collègue Émilie Cariou, de mettre en place des instances pour examiner de manière conjointe au niveau régional et trimestriel, conjointe entre l'administration fiscale et la justice, des dossiers de fraude fiscale. Et je pense que c'était une piste qui était intéressante et c'est dommage de ne pas l'avoir mis en place. Un dernier point que je mentionne aussi, c'est que la mission d'information de 2017 que je mentionnais tout à l'heure sur l'application de la loi fraude de 2013 suggérait de constituer une base de données sécurisée nationale qui recense l'ensemble des procédures engagées en matière de fraude fiscale et que c'était aussi une proposition intéressante, assez simple à mettre en pratique, je pense qu'il faciliterait la vie des juges et de l'administration fiscale. Et sur votre dernière question sur le reporting public, je ne reviens pas sur le débat prudentiel. Je pense qu'en effet, vous avez tout à fait raison de préciser que la question prudentielle peut être de l'ordre de la délinquance financière, mais le fait est qu'aujourd'hui, les questions de fraude fiscale ne sont pas de l'ordre prudentiel et donc pas considérées comme de la délinquance. Je vous dis ça parce que le premier rapport qu'on a fait sur le reporting public des banques, c'était en 2015, ça fait déjà 3 ans, et nous on avait alerté sur, évidemment on a été très prudent et vous le verrez dans le rapport, on ne s'est jamais permis de dire telle banque fait de l'évasion fiscale, excusez-moi, parce que l'objectif c'est du reporting public et de pointer vers des mécanismes qui peuvent donner à voir ou penser à croire à des mécanismes de fraude fiscale. Excusez-moi. Et donc, je vais en finir là-dessus pour m'arrêter. La vraie question à se poser, et je vous donne un exemple très complet, une des choses qu'on a vues, c'est la BNP Paribas qui faisait 134 millions d'euros de bénéfices aux îles Caïmans, sans le moindre employé ni impôt payé. C'est quelque chose qui devrait alerter la puissance publique et le régulateur et qui devrait donner lieu à tout le moins à un contrôle. Et je pense que c'est l'intérêt d'avoir ces données dans le public. Donc c'est important pour nous que l'utilisation ne soit pas faite, déjà, faciliter l'utilisation publique de ces données via tout ce que je vous précisais et d'autres éléments. 2, faire en sorte que ce soit y compris utilisé par les services fiscaux et de contrôle et que la supervision qui existe et qui marche et qui en tout cas s'est améliorée d'un point de vue prudentiel s'élargisse sur des questions proprement de fraude fiscale, en gardant en tête que les banques ont un rôle double sur les questions fiscales, à la fois de facilitation de la fraude fiscale pour leurs clients, mais aussi montage fiscaux à leurs propres bénéfices. Et enfin, l'importance de la transparence de ces données sur le secteur fiscal démontre la nécessité de l'étendre à l'ensemble des entreprises, parce qu'aujourd'hui, même si les banques jouent un rôle pivot dans ces montages des délinquances financières, ce ne sont évidemment pas les seuls. Et donc, je réitère la nécessité d'avoir un tel reporting public pour l'ensemble des entreprises et que la France soit plus active sur le dossier dans le cadre des négociations au niveau européen, puisque ça fait 2 ans qu'une directive est engagée, que la directive est clairement en train d'être abandonnée par l'ensemble des États. Et sans leadership d'un État comme la France, on risquerait de ne pas avoir une telle transparence fiscale qui était pourtant appelée des vœux de tous après les Panama et les Paradise Papers. Voilà. Donc, à nouveau, je vais essayer de ne pas répéter, d'être un peu synthétique. Sur la première question, sur la question de la capacité des ONG, notamment dans l'action judiciaire, ce que j'ai dit, hein, les biens mal acquis, c'est 10 ans de procédure. Pour vous donner une échelle de comparaison, Transparency existe depuis 25 ans. Donc, 10 ans à l'échelle d'une association qui a 25 ans, c'est énorme. Et pour la section française au nom de laquelle je m'exprime, c'est extrêmement lourd en termes de suivi, que ce soit, ça nécessite effectivement le concours d'avocats pro bono ou presque, un suivi sur le long terme, des procédures par ailleurs Bayon qui peuvent être intentées pour et qui peuvent être vécues de manière, enfin, qui peut être très violente en fait hein, pour les associations. Donc c'est très difficile pour une association de multiplier les actions en particulier. Et d'ailleurs très peu d'associations le fond, j'en connais pas d'ailleurs, qui multiplie qui aurait un nombre excessif d'actions en justice. En revanche, nous, on a développé un centre d'assistance juridique et d'action citoyenne, donc qui est plus... voilà, les personnes qui sont victimes ou témoins de faits de corruption peuvent appeler ce centre et donc se faire conseiller. On travaille avec des élèves avocats qui, du coup, animent ce centre qu'on appelle le Cahuzac dans notre petit jargon. C'est aussi un peu une alternative à l'action en tant que partie civile. Alors, deuxième point sur lequel je peux apporter des éléments, c'est la question des conflits d'intérêts. Alors, effectivement, il faut vraiment faire la différence entre conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts. Votre question, c'était sur est-ce qu'on peut mesurer un peu la prévalence de cette forme de corruption. Alors, il n'y a pas d'open data des données de justice aujourd'hui. Alors, et quand on dit transparence des données de justice, c'est deux choses. C'est d'une part que les jugements soient mis en place. Donc ça, c'est en cours. D'ailleurs, ça pose des questions dans la loi, dans le projet de loi justice, des questions d'anonymisation. OK, donc il y a ce volet-là. Mais il y a aussi simplement des données agrégées, du type, par exemple, combien de condamnations sont faites chaque année pour prise illégale d'intérêt. Est-ce que l'inéligibilité a bien été prononcée? Et là, nous, on a des indicateurs. On essaye d'alimenter une cartographie des affaires de corruption via, donc c'est visualiserlacorruption.fr. Enfin, voilà, c'est une tentative de recensement de ce qu'on apprend via la presse, à défaut de bénéficier de données de justice, de données, enfin, d'open data. Donc forcément, c'est des données qui ont de la fiabilité qui est limitée, qui est la leur, mais qui sont quand même un bon indicateur des choses. Et on constate que, par exemple, l'inéligibilité de plein droit n'est pas systématiquement prononcée. On avait eu l'occasion de le signaler récemment dans un bilan de la première année du quinquennat qui a été fait. Donc ça n'équivaut pas au casier judiciaire, avec sa question des sanctions. Voilà, plusieurs questions sont liées à partir des conflits d'intérêts. On pourra aborder vraiment beaucoup de choses. Peut-être, pour terminer sur cette question-là, un message qu'on peut faire passer, c'est l'enjeu, effectivement, d'obtenir des données publiques, d'aboutir à une sorte de masse critique de données qui permettrait de les croiser et d'obtenir, en fait, vraiment des outils, pouvoir développer des outils de prévention des conflits d'intérêts. Aujourd'hui, on n'y est pas, mais à horizon proche, on peut avoir bon espoir d'y parvenir. Si on arrivait à croiser les déclarations d'intérêts, par exemple, en tout cas celles qui sont publiques, les données du registre des représentants d'intérêt, sous réserve que celui-ci soit significativement renforcé, mais c'est un autre débat. On avait fait des propositions, je pourrais vous alimenter sur ce point si vous voulez, et d'autres données du type, par exemple, le registre des déports à l'Assemblée nationale, dont on attend qu'il voit le jour. Mais, enfin, si on avait, par exemple, plusieurs jeux de données de ce type qui étaient consistants et pouvaient être croisés, on arriverait en fait à pouvoir avoir des données intéressantes pour essayer de visualiser les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, on y tend, enfin, on va plutôt dans la bonne direction de ce point de vue-là, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci pour vos réponses. Moi, j'ai trois questions, mais en fait, elles sont assez directes, on va dire, quand elles amènent des réponses plus directes, parce qu'on s'est déjà dit beaucoup de choses. La première, c'est pourquoi, selon vous, la plupart, finalement, des grosses affaires qui ont trait à de la délinquance financière émergent par le secteur privé, enfin par des acteurs privés, associatifs, journalistes, etc., et pas par les États. Qu'est-ce que l'État ne fait pas et qu'il pourrait faire ? On a parlé un peu des jeux de données à croiser, sans pour autant changer la loi. Comment se fait-il, selon vous, que le procès ait pris 10 ans, par exemple, sur celui des biens mal acquis? Est-ce que c'est juste une question de moyens ou pas? Et comment on peut faire par la suite pour éviter que les procédures soient trop longues en la matière? Et puis question beaucoup plus pragmatique, si vous étiez à notre place, qui iriez-vous interroger en premier? Il y a déjà des pistes qui ont été données. Et effectivement, la petite délinquance et la moyenne délinquance financière est aussi dans notre spectre. Et on en a parlé, et on y a réfléchi, et on va aussi aller voir de ce côté-là, parce qu'on pense qu'effectivement, il y a la grande délinquance financière qui fait les grands titres, mais il y a aussi ce qui ne fait pas les grands titres et que vivent un certain nombre de concitoyennes et concitoyens et qui méritent notre attention, y compris en termes de moyens et questions subsidiaires. Il y aura une prochaine crise financière. En tout cas, les traders s'y attendent. Ils voient ça comme une opportunité. Est-ce que c'est selon vous toujours est-ce que c'est parce qu'on est toujours à la frontière justement de la délinquance financière qu'on va avoir une prochaine crise financière, ou est-ce que c'est tout simplement structurel et légal? On va commencer dans l'autre sens. Merci. Alors, pourquoi les grandes affaires émergent via des acteurs privés et pas les États? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle les États. Il y a quand même des affaires qui émergent via le mécanisme de l'article 40. Ça arrive quand même de temps en temps, et sans qu'on puisse forcément, en tout cas à ma connaissance... peut-être, Éric, vous avez, sans qu'on puisse forcément quantifier en fait quelle est l'origine, mais effectivement, le rôle des lanceurs d'alerte, et c'est pour ça que une ONG comme Transparency International a été extrêmement active sur la question de la protection des lanceurs d'alerte, parce qu'ils jouent un rôle clé dans la révélation de certaines affaires de corruption. Et de ce point de vue-là, tout ce qui va dans le sens du renforcement de leur protection, de leur statut est important. Elle doit être protégée et renforcée, et pas attaquée. Donc, on pourrait, en termes de moyens, ça suppose aussi de s'assurer que les instances du type défenseurs des droits, maison des lanceurs d'alerte, voilà, soient dotées des moyens suffisants. Il y a également la presse d'investigation, ou la presse, enfin, en tout cas la presse qui a permis de révéler, en tout cas d'alimenter certaines affaires. On a parlé du financement de la vie politique. Je crois que pour les campagnes de 1995, de 2007, la presse a joué un rôle assez important pour maintenir ces affaires dans le débat public et dans le champ de la justice. Et là-dessus, effectivement, on n'est pas que sur des affaires de comptes de campagne, ça va bien au-delà. On est sur vraiment de la délinquance, enfin en tout cas des soupçons, puisque les affaires n'ont pas encore été jugées, mais des soupçons de corruption. Les BMA, pourquoi 10 ans? Alors, bon, je pense c'est vraiment cette question de la bataille des moyens à tous les niveaux, c'est-à-dire effectivement sur des sujets aussi lourds. Combien de magistrats sont affectés? En réalité, très peu de personnes, si ce n'est une seule personne. Donc il y a déjà cette question-là. La lenteur ensuite des procédures judiciaires de manière générale qu'on observe dans de nombreux procès, mais pas uniquement les BMA. Là, je mentionnais le financement de la vie politique. On a, sur les 25 dernières années, 3 campagnes qui sont entachées de graves soupçons d'irrégularité, 95, 2007, 2012. Aucune des procédures judiciaires n'est arrivée encore jusqu'au bout. Donc la lenteur des procédures, on l'observe pas uniquement dans le procès des biens mal acquis, mais dans de nombreux procès. De ce point de vue-là, toujours pour voir le verre à moitié plein quand même, parce qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits, le parquet national financier a quand même permis de désembourber et de désenliser un certain nombre de dossiers. Le contre-exemple en fait à la lenteur de la justice, ce serait l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac, où alors, on peut débattre du terme à appliquer sur est-ce que ce jugement exemplaire est insuffisant. Enfin, il existe déjà. L'affaire Cahuzac a éclaté en 2013. Le jugement arrive 5 ans plus tard, sachant que d'autres affaires mettent beaucoup plus longtemps à aboutir. Donc peut-être que le bilan est contrasté, mais très clairement, la question de la bataille des moyens, de l'indépendance réelle, en réalité, accordée à la justice, c'est vraiment ce qui est peut-être la leçon à retirer du parquet national financier, explique tout ça. Qui allait interroger, peut-être que je peux vous promettre d'y réfléchir et de vous transmettre dans les jours qui viennent des propositions. Je vais répondre qu'à deux questions aussi. La première sur pourquoi ça émerge par le secteur privé, par d'autres secteurs que l'État. Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que du fait du manque de contrôle, et là pareil, je le vois à travers le prisme fraude, évasion fiscale, mais je pense que ça s'applique plus largement, détecter des circuits financiers complexes demande des moyens de contrôle et ça demande un investissement. Le retour sur investissement n'est pas toujours évident d'un point de vue purement rationnel. Si je me place d'un côté administration fiscale par exemple, mais malheureusement c'est que à la suite de cet investissement qu'on peut en voir les fruits. Donc il y a clairement, on en revient à la question des moyens, mais je pense que cette question sur la question de la fraude et de l'évasion fiscale est aussi liée à la loi. Et donc, désolé, mais je pense que votre mission est aussi très liée au cadre juridique qui nous contraint. Je m'explique de manière plus précise. Quand un contrôleur fiscal détecte une manipulation de prix de transfert dont il sait, au vu de la jurisprudence et du droit actuel, que ça a peu de chances d'être condamné, c'est pas ce qu'il va prioriser dans un contexte de moyens limités. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il laisse de côté les systèmes les plus complexes de fraude et d'évasion fiscale qui, eux, voient très rarement les tribunaux et c'est la raison précisément pour laquelle nous nous concentrons sur ce type de montage-là, à la fois parce que ce sont ceux qui font perdre le plus d'argent, mais parce qu'on pense qu'ils sont le plus systémiques vis-à-vis de fraudes plus simples à caractériser, entre guillemets, de fraude à la TVA, dont là, il suffit juste d'avoir des moyens, les questions de la police dont je vous mentionnais, etc., mais dont on pense que c'est plus simple à résoudre. Donc il y a à la fois la question de moyens, mais la question aussi du droit qui nous contraint. Je vais prendre un exemple très concret. Antoine Deltour, d'ailleurs, dans la liste des personnes à interroger, je vous invite vivement à interroger des lanceurs d'alerte, dont Antoine Deltour. Antoine Deltour, lanceur d'alerte du scandale LuxLeaks, il travaille pour PwC. Son job, c'était de faire des montages d'évasion fiscale à des centaines de multinationales. C'est aux frontières du légal et d'illégal. Qu'est-ce que va faire quelqu'un comme Antoine Deltour qui pense que c'est de la délinquance financière et que c'est mal? Soit il va voir juste les États, on va lui dire bah, on ne peut pas faire grand-chose, ou il n'est pas sûr de la manière dont vont être utilisées les données, soit il va voir des journalistes, et là, il peut s'assurer que ça crée un scandale, le scandale pouvant faciliter derrière, y compris des poursuites judiciaires. On l'a vu dans le cas d'HSBC, dans le cas de LuxLeaks, ça s'est inversé parce que c'est lui qui a été poursuivi, donc, ce qui permet aussi de mentionner quand même le risque que prennent ces personnes, et qui a un vrai enjeu quand on veut lutter contre la délinquance financière, si ce sont ceux qui la dénoncent, qui se retrouvent derrière au banc des jugés, ça pose quand même un vrai paradoxe. Mais cette question très concrète de vous êtes à la place de quelqu'un qui veut dénoncer cela et votre réflexe premier, ce sera d'aller voir les journalistes plutôt que l'État, je pense que ça en dit long sur les faiblesses de l'État, mais je ne veux pas me faire leur porte-parole et je vous invite vivement, que ce soit Antoine Deltour ou d'autres lanceurs d'alerte qui, je pense, ont joué un rôle capital ces dernières années et je pense que c'est important aussi de leur rendre hommage. Ensuite, sur qui voir, au-delà des lanceurs d'alerte, je pense que tous les maillons de la chaîne de la lutte contre la délinquance fiscale sont importants, des services de l'administration fiscale qui font du contrôle, aux enquêteurs côté police, jusqu'aux services judiciaires qui vont juger. Et je pense, mais je serais curieuse de voir votre analyse finale, que vous allez voir les difficultés à chaque maillon de la chaîne, qui, ajoutées les unes aux autres, à mon sens, explique pourquoi les plus gros dossiers, au final, échappent aux condamnations et passent à travers les mailles du filet, qui sont relativement amples pour les cas les plus graves de délinquance financière. Je pense que vous avez intérêt à avoir à la fois des gens qui pratiquent du contrôle, des enquêtes, etc., dans des services spécifiques. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez les moyens de vous déplacer sur place dans des services d'enquête policière, par exemple. Mais je pense que c'est aussi intéressant de voir différents syndicats de ces différents corps de métier-là qui pourront vous donner leur vision plus globale des dysfonctionnements potentiels de l'intérieur, en plus d'avoir nos attentes, nous, en tant que société civile. Voilà. Alors, dans la première question, pourquoi est-ce que ce sont souvent les lanceurs d'alerte, les ONG qui détectent certaines affaires? Moi, je crois, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je donne une réponse de nature un peu différente. Je pense qu'il y a des considérations plus politiques. Prenons LuxLeaks. Le Luxembourg est un pays qui pratiquait à haute dose les rescrits fiscaux, c'est-à-dire des des accords avec les multinationales d'une manière totalement opaque, mais pour autant, les autres pays le savaient quand même et ne faisaient rien parce qu'il y avait un accord, on laissait faire au niveau européen et on acceptait cet état de fait. Alors, ce qui était contraire d'ailleurs à l'esprit de la construction européenne qui aurait dû impliquer une harmonisation fiscale et des pratiques harmonisées, une coopération. Voilà. Donc là, il y a un problème politique. Donc ce n'est pas de la délinquance, c'est plutôt des choix politiques. Par rapport aux choix politiques aussi, les scandales récents, notamment Paradise Papers, ont montré qu'il y avait beaucoup d'opérations qui n'étaient pas vraiment de la fraude caractérisée au sens d'opération illégale, mais plutôt de l'optimisation. Donc dans ce que j'appelais tout à l'heure la zone grise un peu, hein, qui est entre voilà, ce qui est illégal et ce qui est, disons, un abus de droit ou qui peut être considéré comme répréhensible. Et là, c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin, au niveau, pour être plus efficace, d'une réflexion de critères pour essayer de définir où on met la frontière entre ce qui est illégal, ce qui l'est. Et je pense qu'il faut déplacer la frontière aujourd'hui parce qu'il y a des comportements d'optimisation fiscale qui sont vraiment répréhensibles. Et donc je pense que les gouvernements, dans l'idéologie dominante de laisser faire des États, plutôt que d'intervenir trop et d'imposer des réglementations qui seront de façon contrée en grande partie par les lobbies, par les multinationales, eh bien on préfère laisser faire. Et du coup, on a ces zones grises qui se développent. Alors, je pense que c'est lié aussi à l'état d'esprit politique qui règne aujourd'hui au niveau international. Même s'il y a eu des progrès, on a parlé tout à l'heure de BEPS, il y a eu des avancées, hein, mais je pense qu'il y a quand même un état d'esprit général qui est, au niveau international, plutôt orienté vers le laisser-faire. Et c'est pour ça qu'on est sceptique, par exemple, sur la question des listes noires des paradis fiscaux, qui est pourtant inscrite dans des propositions, notamment qui est dans la loi, hein, sur la fraude fiscale, parce qu'on pense qu'il y a toujours des accords entre les États, il y a un laisser-faire, il y a des considérations politiques qui rentrent en ligne de cause et qui, du coup, sont au détriment de l'efficacité de la lutte contre l'évasion fiscale. C'est pour ça qu'on est le fait que dans la liste européenne, il n'y ait pas les la liste, pardon, de l'Europe, il n'y ait pas les pays européens, dont certains sont des paradis fiscaux avérés, pose un vrai problème, quoi. Donc c'est voilà, c'est pour dire que il y a des choix politiques aussi quelque part, et évidemment qui viennent, disons, nuire à l'efficacité, à la lutte contre l'évasion fiscale. Je ne répondrai pas, parce que je ne suis pas compétent sur la lenteur du procès, juste pour qui interroger. J'appuierai complètement ce que disait Manon à l'instant. Je crois qu'il faut essayer de voir tous les acteurs de la chaîne. Tu parlais des organisations syndicales. Nous faisons partie tous d'une plateforme des paradis fiscaux et judiciaires, notamment donc sur les questions d'évasion fiscale, mais aussi des questions d'ailleurs d'arbitrage réglementaire que pratiquent les entreprises en allant dans les endroits où la réglementation est la moins importante, ce qui rejoint la question d'ailleurs de la lutte contre les risques d'instabilité, etc. Et on pense qu'il y a, dans notre plateforme, il y a un certain nombre d'autres ONG qui pourraient peut-être, dont les propos pourraient vous intéresser. Je pense à 2 ou 3. Éric a cité le syndicat de la magistrature. Il y a Solidaire Finances Publiques, qui me paraît être vraiment une organisation qui a une vision d'ensemble très intéressante et qui vous expliquera combien ils souffrent, les agents fiscaux souffrent de la réduction des effectifs qu'ils ont subi, et que là, il y a une contradiction entre la volonté des pouvoirs publics affichés de lutter contre l'évasion fiscale et le fait qu'on réduit les moyens humains depuis pas mal d'années déjà, hein, c'est pas très récent. Et donc là, il y a vraiment un souci, quoi. Donc, on parle de moyens, ben, pourquoi ne pas inverser la tendance de la réduction des effectifs parmi les inspecteurs des impôts et autres qui travaillent sur la question de la détection, par exemple, de la fraude fiscale. Voilà. Merci. Alors, d'abord, est-ce que les affaires sortent beaucoup grâce à la société civile? Certaines affaires emblématiques sont effectivement sorties grâce à la société civile, mais hélas, nos associations, par la force des choses, ont des moyens très limités et nous ne pouvons pas suppléer, ça a déjà été rappelé, à des institutions qui ne font pas leur travail. Donc, ça m'amène à parler très rapidement de la question des moyens. Le rapport de la CEPEJ, Commission européenne sur l'efficacité de la justice, est sorti récemment. Il sort tous les 2 ans. De ce rapport, je retiens que le nombre de procureurs, substituts du procureur pour 100 000 habitants, est en France un des plus faibles d'Europe, et qu'en revanche, le nombre d'affaires par procureur est d'un des plus élevés d'Europe. Et donc la question ne se pose pas uniquement au niveau du parquet financier, elle se pose pour l'ensemble des parquets. C'est la raison pour laquelle je parlais d'une nécessité de refonder le parquet, de revoir la façon dont cette institution peut et doit fonctionner. Ensuite, pour les procès financiers, ce serait assez intéressant. Évidemment, ça signifierait de travailler sur des affaires déjà jugées, mais je pense qu'il y en a suffisamment, de déterminer ce qui, dans ces affaires, a déterminé le prolongement, la durée de l'instruction pour des raisons de moyens, ce qui est dû à des difficultés de coopération internationale, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des commissions rogatoires qui rentrent très lentement et que ça fait obstacle à ce que l'enquête avance, et ce qui est dû à des stratégies abusives de la défense, des manœuvres d'avocats. Et effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de moyens, mais il y a aussi un petit peu des questions de coopération et des questions d'utilisation abusive de la procédure. Et il y a une réflexion, sans doute, à poursuivre sur le sujet. À la question de savoir si on est sur un sujet purement économique ou systémique, la réponse a déjà été un peu donnée. C'est vrai qu'on a beaucoup évacuer dans la crise économique le volet criminalité financière. Parce qu'ils ont l'affaire des subprimes et l'affaire de l'Anglo-Irish Bank et l'affaire de Bankia, toutes les répliques européennes et même l'affaire grecque. Il y a derrière tout cela de la criminalité financière. Et il y a une réflexion à avoir. Alors Jean-François Guéraud, qui est un commissaire de police, mais qui est aussi un chercheur, a écrit sur le nouveau capitalisme criminel. Je le cite d'ailleurs dans la note, et donc développe l'idée qu'il y a dans ce mélange entre le légal et l'illégal des marges de manœuvre que s'approprient les acteurs et qui font que, effectivement, les dérives sont facilitées. Il a notamment beaucoup travaillé dans son dernier ouvrage sur le trading haute fréquence, sujet sur lequel nous ne sommes pas du tout compétents, mais je pense qu'il y a là un risque systémique qu'il faudrait aborder. Puis je parlais aussi de Roberto Scarpinato, procureur de Palerme, qui nous dit le combat contre la mafia est emblématique en Italie parce qu'il y a des journalistes, des magistrats qui ont donné leur vie parfois pour cela, mais aujourd'hui, ce n'est pas la mafia la plus violente qui a pris le dessus en Italie. Et ces mécanismes mafieux, ils contaminent l'ensemble de l'Europe. Et d'ailleurs, si on a un journaliste assassiné à Malte, en Slovénie et récemment en Bulgarie, c'est aussi parce que ces mécanismes mafieux, cette dimension criminalité organisée qui est consubstantielle à la corruption et à la délinquance financière, s'étend. Et sans que nous en prenions tout à fait la mesure. Bien, merci beaucoup, Monsieur Alt. Merci à tous. Nous n'avons que très légèrement dépassé le temps imparti, mais on a un léger droit à l'erreur comme étant la première audition. Merci. Merci à tous pour vos contributions. Elles sont très utiles, elles ont été enregistrées, on a pris beaucoup de notes. On en est très reconnaissants et le cas échéant, on viendra vers vous si nécessaire. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Et effectivement, je pense qu'on sera peut-être amené à vous réinterroger, alors peut-être pas sous le format d'une audition, mais peut-être par échange écrit, au fur et à mesure de l'évolution de notre évaluation. Et aussi, vous, si vous suivez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous interpeller, le cas échéant, pendant nos travaux, si vous le jugez nécessaire. C'est ça, 6 mois, il faut calculer, ouais, c'est mars-avril, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Si tout va bien.